لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم mes frères et sœurs. Aujourd'hui, inshallah, nous allons parler de l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, qui est le meilleur des anges. Il est l'ange qui est chargé de transmettre la révélation. Parmi tous les anges, l'ange Jibril est celui qui a le plus haut degré et le statut le plus élevé. Chaque ange a une fonction. L'ange Jibril est le messager de Allah Ta'ala pour ses prophètes. En effet, il transmet aux prophètes les textes, les lois d'application qu'ils doivent suivre et transmettre à leur communauté. Allah Ta'ala dit « وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ » Ce qui a pour sens ce Coran, c'est le Seigneur des mondes qui l'a fait descendre. Et c'est Jibril qui est descendu avec. Dieu a accordé à l'ange Jibril une grande force. Allah tabaraka wa ta'ala dit au sujet de Jibril que Jibril, qui a une grande puissance, a enseigné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De là, on déduit que Jibril est très fort et qu'il a transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, si Allah Ta'ala a ordonné à Jibril de déplacer toutes les montagnes de la terre, il le ferait à lui seul, parmi les récits au cours desquels sa force s'est manifestée. Rappelons qu'il a renversé quatre villes du peuple du prophète Lot, alayhi salam, le fils du frère du prophète Abraham, Ibrahim, alayhi salam. Il les a portés avec une seule plume de son aile et les a élevés jusqu'à arriver à proximité du premier ciel, au point que les habitants du ciel, qui sont les anges, ont entendu l'aboiement de leurs chiens et le cri de leurs coqs. Puis, il les a ramenés sur terre en renversant ces villes. Notre maître Jibril, alayhi salam, a 600 ailes. Masha'Allah, que Allah Ta'ala nous accorde beaucoup de science. Retrouvez-nous chaque vendredi avec un nouveau rappel donné par un petit musulman sur notre chaîne YouTube Petit Musulman. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. طيري طيري يا حباب للبقيع أرض رام طيري.